Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents, les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu, notre Père, un comportement religieux, pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. »